Julien. Et il part en pénétration, il se fait contrer. Et la balle qui revient encore dans des mains dijonnaises pour Chase Simon. À 3 points à très très longue distance. Ça y est, on a une équipe qui a manqué sa chance. Par contre, oh, Alpacaba, il va pas la manquer. N1 en plus. Oh là 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 là. Alpacaba, là c'est le mal Alpha, servi par Cordy. Ouh, c'est pas mal du tout ce petit système. Et voilà, l'égalisation. Signé Antoine Dio. Dans le quatrième, on passe aux choses sérieuses. On laisse moins les paniers s'encaisser. Regardez, ça verrouille partout là. Michael Stockton, la grosse défense de Charles Cahudi, c'est sa spécialité, on le sait. Et le pick and roll de Kajera Walter. Et toujours hein, cette petite vingtaine, petite, en tout cas cette vingtaine de points d'avance. Oh mon équipe ! Le dunk ! Les 30 dernières secondes. Esson qui est passé dessous. Ouh ! Avec l'énorme dunk signé Eric Buckner. Et il n'en laisse pas qu'un d'ailleurs, il en laisse deux et ça repart de l'autre côté avec Adams qui va péter le dunk. Énorme Jalen Adams pour rugir dans cette fin de match. Ah, on l'a senti. On ressort. Herbron. Eh, passe bien senti. Marey. Oh là 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 là. Un joueur français, soit un joueur étranger. Oh my god! Oh my! Harlem Globetrotters! Champagne, c'était magnifique, mais Morency, décidément, qui nous fait un début de match! Ouais. Extraordinaire!